Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa beau-fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Cette semaine à Reflet d'ici, le ministre de la Santé confirme que le projet OptiLab est une bonne nouvelle pour les soins de santé dans la région. Va être supérieur et l'économie au rendez-vous de façon à ce qu'on puisse, donc de l'enjeu total du système de santé et sa viabilité. Les Gaspésiens sont de plus en plus nombreux à avoir accès à un médecin de famille. On est quand même en nette progression. Il y a une année environ, là, au niveau de nos DMF, on était presque tous en bas de 70%. Là, on en a certains qui approchent de 80%. Le centre de justice de proximité rend la justice plus accessible. Évidemment, on avait comme attente qu'il allait avoir un bon taux de satisfaction, mais de 90%, ça dépasse nos attentes. En entrevue, je rencontre Gaétan Lelièvre. Il y a deux dossiers majeurs à percer présentement, moi, qui me préoccupe beaucoup comme député. Et j'apprendrai rien en disant que c'est le dossier de ce qu'on appelle la promenade. Mm-hmm. Mais il n'y aura plus de promenade, ça va être une conventionnelle, ça va être du rechargement de plage pour protéger l'arrondissement naturel et le dossier du quai. Et on termine avec la capsule divertissement avec Jocelyne Cauvier. Donc, on va parler d'illusions. Oh. Donc, il y a parfois des photos qu'on doit regarder par deux fois parce qu'on se demande est-ce que j'ai bien vu. Donc, c'est des... Trois, quatre fois. Trois, quatre fois, c'est des espèces de trompe-l'œil. Ah, oui.